l'actrice et mannequin sud-africaine Charlby Dean est décédée lundi 29 août à l'âge de 32 ans. La nouvelle a choqué ses fans et le monde du cinéma qui a pu apprécier le talent de l'actrice, notamment au Festival de Cannes de cette année, pour son rôle dans le film récompensé intitulé « Sans filtre ». Le long métrage a remporté le premier prix du Festival international du 7e art en mai 2022 et sort aux États-Unis et dans la plupart des pays européens en octobre de la même année. C'est très agréable d'entendre ces compliments, je pense toujours que les gens me mentent en face. Mais non, c'est bien ce que j'entends. J'ai dit à Ruben que ça devait être dur de sortir de The Square, qui a été si bien reçu, et d'avoir de si grandes attentes de la part de tout le monde pour se retrouver ici, ça doit être éprouvant. Alors pour moi, c'est comme si j'avais déjà gagné, je suis déjà à Cannes avec le film, c'est tellement incroyable. Tout n'est qu'une cerise sur le gâteau à ce stade pour moi. Décédé dans un hôpital de New York des suites d'une soudaine maladie, Charlby Dean avait également un rôle récurrent dans la série télévisée de DC Comics Black Lightning. Né au Cap en Afrique du Sud, Charlie Bean Creek y débute comme mannequin avant d'y faire ses débuts dans l'adaptation cinématographique du roman sud-africain Spud en 2010.